quoi aujourd'hui? On est un nouveau jour. Et c'est un jour de travaux chez moi. Et aujourd'hui, on installe la pierre de la cuisine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et attends, je me rends compte que le... Aujourd'hui c'est un jour merveilleux parce qu'il fait très très beau, parce qu'on installe ma cuisine, la pierre là, le plan de travail, tout ça là en pierre, hein, je sais pas quoi. Et voilà, je suis un peu fâchée, mais c'est de la merde, c'est un truc avec mon frère, on s'en veut plus tôt. Et ça va sûrement passer pendant la journée. Donc, on commence cette journée comme ça, bisous. Fumando. Você não parou? Não parou? Não, mas não significa nada. Ai, ai, ai. Se você morreu, morreu. Tchau. Trabalha para pagar teu plano de saúde para depois continuar. Tá difícil? É? Mas agora a gente vai entrar com a parte aqui, já colamos aquelas duas lá. Aham. Aí ali vai cobrir tudo com frontispiece, que a parede ela é meio torta, né? É. Tá feliz? Tô. Muito. Pra poder calcular aqui, né? Tá feliz, Ju? Eu estou muito feliz. Bem. Tá perfeito. Tá ficando bom. Já colamos aquelas duas lá. Agora vamos nivelar essa daqui. E aí você vai cortar pra botar? Um pouquinho todo aqui já. Mas ele vai entrar? Porque vai. Tá grande. Vai ficar aqui, ó, nessa direção. Tá bom. E minha meu banheiro tá como? Tá horroroso. Ah, isso que eu ia falar. Mas vi antigamente a banheira era rosa. Era. Ju, antigamente a banheira era rosa. É lindo. A gente vai pintar ela. A gente vai ter que pintar ela. Aí eu deixo. E aí, como que vai ser? Vai ficar uma maravilha. Assim é? Feita, horroroso. É. Mas o resultado final é positivo. Deu trabalho pra você? Tudo dá trabalho, mas isso aqui deu um trabalhinho a mais. Você viveu uma inundação ontem? Ontem de ontem. Duas vezes. Uma na cozinha e outra no banheiro aqui, ó. Você quebrou a parede? Quebrei a parede. Sem querer ou querendo? Sem querer. Ou seja, o cano tava pro lado de lá. Aí ela estourou pro lado de cá, mas tinha que fazer um reparo pro lado de lá. Obrigada. Nada. Vai levar pro silicone, tá vendo ali, ó. Dá? Dá certo? É. Marcando pra colocar o cooktop já. Tem um... Na área molhada, a gente tá entrando com a massa, tá? Pra poder vedar tudo. E vai entrar com o frontispiece pra poder deixar tudo vedado. Tá certinho, bom. Tá bom? Uhum. Tá ficando bom. Obrigada. Só falta só mais agora. Tá bom. E você vai conseguir hoje? Hoje. É? Terminar tudo hoje. Tem que... Amanhã já tem, ó, outros clientes. É? Tá ficando igual isso, correndo. Que bom. O baldinho tá lindo. Uau! Ai, fica muito lindo. Pano, limpeza. Sim. E aí, tá bonito minha cozinha? Não, tá faltando aí. Muito.
Tá faltando um... Tô pensando na tudo a cozinha. Uma bela cozinheira atrás daí, tá, que acabou de chegar. Hã? Aquelas panelas de inox de sete camadas, né? Sete camadas de metais. Macarrão? Oi? Vai fazer macarrão? Vou cozinhar todo dia. Tá com poeira. Cadê um, sim. Deu um paninho lá pra limpar? Está lá ainda, puxa gás. Deixa olha, secar. Ainda tem um mão de obra aí. Deixa secar. Tá bom. Obrigada. É muito lindo. Dá pano pra... Aujourd'hui, on est le 24. C'est le jour où j'ai les nerfs. Voilà, j'ai les nerfs. Il faut pas me chercher les nerfs. Et là, en fait, je suis trop énervée. Trop énervée. Pourquoi? Parce que... Ils ont mis les trucs dans la cuisine et tout, c'est cool, super, youpio. Sauf qu'en fait, ils ont dû couper des trucs dans la cuisine, de la pierre. Il y a de la poussière de partout. Dans la cuisine, ok. Mais ils n'ont pas rien protégé dans mon salon. Ce qui veut dire, dans mon salon, mon tapis neuf, blanc, il est rempli de poussière. La chaise longue blanche, remplie de poussière. Les chaises blanches, remplies de poussière. Je comprends pas cette manière de faire des brésiliens. Et quand je dis à la meuf, je dis, tu sais, pour la prochaine fois, pour tes clients, tu devrais le faire. Oui, c'est vrai, nanana. Vraiment, ça percute pas, en fait. Moi, ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue. Je comprends pas leur délire. Ils sont fous, en fait, ces brésiliens. Je suis sont fous. En fait, j'ai trop les nerfs. Et comme j'ai les nerfs, je pense que je vais aller au magasin maintenant. Et je vais dépenser 4000 réals. Et je vais aller m'acheter un aspirateur vapeur et un aspirateur de... Aspirateur de... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai les nerfs. De parquet. Oh, j'ai les nerfs. T'es rouge? Ouais. Le massage... Ah non, mais tu sais, elle va me laver. C'est pas merveilleux? Ah, c'est trop bien. Oh. Ça fait du bien, hein? Ah, oh, j'ai adoré ce moment. Merci. Alors là, je traite mon bois avec de l'huile de pérouba. Et donc voilà, je traite mon bois parce que comme il était rempli de poussière, j'ai dû passer de l'eau dessus, un truc avec de l'eau. Et en fait, ça fait c'est dégueulasse le bois quand tu passes de l'eau. Donc il faut le traiter. De la vie, mes potes ils ont fait qu'est-ce que tu fais, tu nous filmes le frérot, dis je t'aime, je t'aime Issam, dis je t'aime Issam, ouais, dis je t'aime Issam, dis je t'aime très fort Issam, je dis tous les jours, ouais, mais tu le penses pas bizarrement, ouais, je t'aime très fort, dis je dis... T'es con quoi, on est mongol, je dis tous les jours, moi genre 10 fois par jour je dis je l'aime. Tu sais que c'est vrai, c'est un gros mongol. Bon allez, je vais faire ma vaisselle ici au tuyau d'eau. Parce que, bah voilà, l'ancienne. Hein. Thank you.
fait, je fais des tests là et je vois si l'huile de pérobar, dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça fait du bien à, aux portes et tout, en fait, ouais. Beaucoup de choses à faire dans cette maison, hein. Mais je vais y arriver, les mecs. C'est une grosse maison, mais je vais y arriver. Yeah.